Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la chaîne Booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Contrairement à d'habitude où je vous présente des livres, aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur CD, l'album d'Angèle. Angèle est une jeune artiste de 23 ans qui nous vient de Belgique et qui a tout fait dans cet album Brol. À la fois, elle chante, elle est auteure, compositrice et elle a produit elle-même son CD. C'est un premier album qui est sorti le 5 octobre dernier et il est déjà disque d'or en Belgique et en France. Son premier single qui est sorti il y a déjà un an n'est pas passé inaperçu. Ça s'intitulait La loi de Murphy. Donc déjà, on l'avait bien dans la tête, où elle racontait à travers cette chanson tout ce qui lui pouvait lui arriver dans une mauvaise journée. Le matin commence mal, ça continue très mal et ça finit encore plus mal. Les autres sujets abordés à travers ces 12 titres sont des sujets vécus, certainement, la solitude, le succès, le harcèlement sexuel, à travers le titre Balance ton quoi. Aussi, les femmes qui aiment les femmes, les femmes qui aiment les hommes, et la chanson Jalousie. Et puis aussi, l'hyperconnectivité des individus. Twitter, Facebook, et puis Instagram, elle parle beaucoup d'Instagram. Le style d'Angèle, c'est quoi? De la chanson française, même s'il y a quelques titres ou morceaux de titres plus exactement qui sont en anglais, mais la plupart, ce sont des chansons à texte, et elle emprunte parfois un petit peu à l'électro, un petit peu aussi au rap dans la mesure où il y a des morceaux qui sont scandés, et même aussi un petit peu au reggae. C'est une musique très entraînante, qui bouge bien, qui reste bien aussi dans les têtes et ça fait plaisir toute la journée. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec Angèle, c'est que son titre « Brol », ça veut dire « bazar ». Donc en fait, on apprend de l'argot belge. Donc dorénavant, quand vous verrez une cuisine remplie de vaisselle sale ou alors une chambre avec des chaussettes et des vêtements mal rangés n'importe où, vous pourrez dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce brol ?» Angèle est en tournée un petit peu partout en Belgique et en France. Alors faites vite, réservez vos dates parce que c'est déjà complet pour certaines dates dans certaines salles. Moi ça y est, j'ai ma place à Rennes le 31 janvier. Et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, ou qui devront attendre un petit peu plus tard, parce que je suis sûre qu'elle reviendra nous voir, eh bien vous pouvez écouter avec plaisir ce CD, Brol, d'Angèle. Merci beaucoup, à une prochaine fois pour Prends ça dans ta palle. À bientôt.